What's up tout le monde, c'est Zero aujourd'hui les gens, nouvelle vidéo sur Resident Evil 4. Donc première vidéo que je fais sur le jeu. On va faire probablement un let's play. Je connais aucunement le jeu. J'ai été un grand fan de Resident Evil quand j'étais jeune. Dans le sens que j'avais pratiquement joué tous les jeux. Puis j'avais jamais vraiment essayé le 4. Puis j'avais entendu dire que c'était un des meilleurs de la série, sinon le meilleur. Certains diront que pour le changement, côté plus action, c'est un peu à chier. En tout cas, moi je sais pas ce que ça va donner, ça va être la... j'ai aucune idée. Ce que j'espère, c'est qu'il y a encore l'aspect un peu horreur, un peu, que t'sais, les moments stressants et tout. Mais sinon, je connais aucunement le jeu, donc on va le découvrir ensemble. Resident Evil 4. Et voilà, j'ai acheté l'édition Ultimate HD. Je sais pas s'il y a vraiment une différence là. Tu sais, j'avais acheté l'édition HD de Opération. Attends, c'est quoi dans le nom? Code Veronica X qu'il y avait sur la Xbox. Puis j'avais vu aucune différence par rapport à l'ancien jeu. Donc je sais pas s'il va y avoir une différence sur l'ordi. Mais en tout cas, ils m'ont dit que c'était le meilleur jeu pour vivre l'expérience de Resident Evil 4. Donc je me suis dit, pourquoi pas l'essayer. Donc aujourd'hui, on va commencer une nouvelle partie. Le jeu est en français, ce qui est une très bonne chose. Là, on a le choix en normal, facile. Je sais pas si on peut le changer en jeu. Mais vu que c'est la première fois que j'y joue, je crois bien qu'on va jouer en facile. Puis peut-être qu'on en refera un let's play après ça en normal. Je sais pas si ça vous tente là. Never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town. With a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people.
Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's freezing. So cold all of a sudden. It must be my imagination. Sorry it took so long. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. We'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Bon? Donc, on tombe direct dans le jeu. Oh, les commandes. Oh, oh! Oui, c'est vrai, on est dans Resident Evil, j'ai oublié ça. Parfait, on va s'y habituer, je suppose. Donc, voilà. L'histoire est quand même assez bien expliquée, donc ça me sert à rien de vous dire des choses dessus. Vous comprenez assez facilement qu'il faut aller chercher la petite... fille du président. Donc là, on a vu qu'il y avait quelqu'un ici. Excuse me, sir. I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Freeze! I said freeze! Ok, on tombe direct dans le jeu de main. On l'a tombé de français. Ok. Shit. Donc, il a apporté quelques-uns de ses amis. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Bon, je pense que le message était clair. Ce n'est pas un zombie. C'est vrai, hein? C'était même pas un zombie. Genre, je sais pas c'est quoi qu'ils veulent, eux autres. Oh. Magnifique. J'espère qu'elle va bien. J'espère moi tout. Non, on sortira pas. Oh. Petite munition. Toujours bien. Petite conne intéressante ici. C'est bloqué. Ils doivent pousser de l'autre côté. Bon, ben, je suppose qu'il faut sortir par la fenêtre, hein. Allons-y.
Leon, you're quand même badass. Te voy a hacer picadillo. You. C'est le même contre Leon place. Comme vous pouvez voir, je me suis familiarisé un peu avec les commandes. Dans le sens que j'avais commencé une partie hier, mais c'était plus pour connaître les touches et tout, parce que j'ai vraiment jamais joué au jeu auparavant. Donc j'ai sérieusement aucune idée comment que ça jouait. Puis ça ressemble vraiment beaucoup au 6 puis au 5, côté gameplay en tout cas. Là. J'espère que l'ambiance va être mieux par contre que 5 plus 6, j'avais été déçu de l'ambiance. Là. Ça, on sentait plus action que Survivor l'horreur, ça c'est dommage un peu. Là. Donc on vient de sauvegarder. Ah, oh, le chien est pris. Devrais-tu l'aider? Ben oui. Bon ben, on a aidé un chien, mais on va dire il s'en fout. Oh shit! Des explosifs. Oh shit. Attendez, on essaye de quoi, ok? On essaye de le faire rentrer dans son propre explosif, ça serait tellement drôle. Ouais, rentre dans l'explosif. Ah non, il passe à côté. Ça aurait été tellement drôle. Mais je comprends pas le principe, par exemple, que... Dans le sens que c'est même pas des zombies, genre. Ça, hier, j'avais failli me faire prendre. Il me semble qu'il y a une ennemie ici. Non, c'est pas ici. Oh shit. L'égalité des sexes semble de mise ici. Il faut que je la trouve là. Je sais pas si les autres éditions sont de même, là, mais le jeu il est vraiment beau, genre. Pour un jeu de 2004, je pense. C'est vraiment surprenant, je trouve. 2004-2005, il me semble, qui est sorti par contre. Je me rappelle. Oh. Shit. Oh. Au pire, j'ai pas osé les autres, ils sont chauds. Je crois que ça sert à rien d'y combattre. Oh. Vous l'avez vu, vous aussi. Là. Oh shit. Bon, où sommes-nous? Leon, how you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it, thanks. What the fuck? What the hell? Ok, ouais, je te donne un manuel de jeu, hein. T'as juste à le regarder. Dis ça au protagoniste, what the fuck. Oh. Oh, il y a des gens ici. On est dans le village. Ah, c'est pas le policier, ce qui est avec nous. Oh, shit. Ah, Oren. Je sais pas si on va là, c'est mieux. Si je chatte la fille là-bas. Si je vais tranquillement, ils peuvent-tu, genre, je peux-tu passer sans qu'ils me disent. Tabarnak. Ah,
Voyons, t'as boire. Chainsaw. Oh shit, the chainsaw! Moi je veux me heal. Oh! Oh shit! C'est une fucking chainsaw ça! Ok. Non, je l'ai pas là. C'est peut-être là qu'il faut que j'aille. Aucune idée. Moi je suis qu'on monte là. Oh il grimpe. C'est tellement une bonne place cette, what the fuck. En plus on a des munitions. Fusée à pompe, on a même pas de fusée à pompe. Au pire, on attend direct là, là, pis quand il essaye de monter, t'es barge. What? Un molly? Il arrive d'autres mondes en plus. Oh, la campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Sattler. Where's everyone going? Bingo? Wait, what the fuck? Ok, c'était comme la prologue. Oh, sick! Hunnigan, I have some bad news.
I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Bon, faut trouver la tour. Je pense qu'il y a pas de la tour de là-bas qu'on a vu là. Bon ben, je suppose que c'est pas là qu'il fallait aller. Mais ils ont tous été là. Non, on vient d'aller là. Ah, c'est peut-être pas ça. Cet agent américain entrer en contact avec la personne depuis l'épisode. Appel à la vigilance. Au cas où vous ne le sauriez pas, cette personne est détenue dans une maison abandonnée au-delà de la ferme. Nous la transférerons dans une zone plus sûre de la vallée quand nous serons prêts. Dans une maison abandonnée au-delà de la ferme. Elle resterait là jusqu'à nouvel ordre. En attendant, ne laissez pas l'Américain s'approcher de cette personne. Nous ignorons comment le gouvernement américain a eu vent de notre village, mais nous menons notre enquête. Je pense toutefois que le fait que l'intrusion se produise maintenant ne doit rien au hasard. J'ai l'impression qu'un autre groupe que le gouvernement des États-Unis est responsable. Restez sur vos gardes, le chef Peteres Mendez. Bon, c'est bon à savoir, on sait au moins c'est qui. Et on sait où la petite demoiselle se trouve. Rien d'intéressant ici. Ok, je suppose pas là, faut aller. Sauvegarder avant. On va mettre ça là. Nice. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Bon sang, ça pue. Mais c'est ça que je veux, mais... Ah, ils m'ont entendu les champions. Te voy a hacer picadillo. Sauver le chien. 1200. C'est là le chien. Il se rentre dans le mur, il y a ça. What the fuck? Okay.
On sait au moins qu'on est à la ferme. Ce qui est une bonne chose, hein, faut dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Médaillon bleu. 15 médaillons bleus, 7 dans la ferme, 8 dans le cimetière. Ceux qui détruiront 10 médaillons ou plus recevront la suite est visible. Donc, vous comprenez qu'il faut aller ramasser. Ok, il y a un gars là-bas qu'on n'avait pas vu. On va aller le backstab, on va jouer ça tranquillo. Je sais pas si on peut les poigner de back. Tu vas tranquillement, peut-être. Là, on a pour ramasser 7 dans la ferme, puis 8 dans le cimetière, je pense. On a un autre ici qu'on va ramasser. Ah, il y a un autre gain, un autre de gens ici. Ah, fait chier ça quand ils font ça. Oh, il s'est fait ramasser. On s'est trouvé des petits médaillons, hein? Avoir une coupelle en dedans. Ok, c'est pas poussable. Il n'y a rien d'intéressant ici. On va aller en dedans de la ferme, voir. C'est là qu'elle était supposée d'être malade. Très très bon. Good stuff. What the fuck? Bon ben je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire ici. Je sais pas si on met les médaillons. Mais... c'est quand même hard à trouver. Peut-être genre en haut ici. Oh, il y a tout moyen de monter en haut ici. Il doit avoir un médaillon. Ah, je le savais. Bonsoir. Je suis désolé si je prends un peu de temps, mais c'est parce que je veux savoir ce que ça fait ces médaillons-là. C'était du moyen de t'avoir de trouver. Hey, le chien, ce que tu fais? Si je le chute, ça fait quoi? C'est pas le même de tantôt. Moi, je dis qu'on le chute. Ça fait rien. Il y a peut-être un médaillon ici. Non? Chut. Quand même des vaches. C'est quand même une société très développée. Ok, c'est ça. Il n'y a rien ici. Je suis désolé, je vais peut-être mettre ça en accéléré si ça prend trop de temps, mais je vais essayer de trouver toutes les petites médailles.
peut-être un genre de l'année. C'est quand on en trouvera plus au cimetière au pire, là. J'ai aucune idée sur vous. Mais c'est quoi, X? C'est quoi? Ok, c'est ça. Examiner ça. J'ai déjà vu ce panneau. C'est bien. Je sais pas c'est quoi ces spinels là. On a ramassé quand même pas mal. On n'est pas mort. On est tombé chanceux. On va utiliser ça. Oh, on a un shotgun. On n'utilisera pas le shotgun pareil dessus. Oui, passer au travail.
Ah, on peut pas se passer. Encore ces chiens qu'on a sauvés au début, il va avoir un lien à mener. Parce que si, sinon, ben c'est pas mal. Si oui, ben c'est chill. Si on retourne là-bas, il y a peut-être un autre chemin que j'ai pas vu, je sais pas. C'était vraiment là qu'il fallait aller. Détrás de ti, imbécile! Regarde-toi. Ah, ça me fait chier, mon bonhomme, il est genre... Il est pas essoufflé, mais il est... Il s'est genre mal amoché, là. Puis là, il court comme un innocent. Si je shot la serrure, c'est peut-être juste ça. Oh, tabac. Oh, mais il n'est pas. Oh, je suis tombé collant. C'était juste ça. Think? Oh. You're not like them? No. You? Okay. I have only one very important question. You got a smoke? Got gum. What the fuck? Perfect. The big cheese. What? Damn. Fin du chapitre. Et voilà. Tout de coup au but.
Ennemi tué, mort du personnage. Nicholas Kennedy, chapitre suivant, 1.2. Bon, bien les gens, on va sauvegarder, puis on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. Donc, merci tout le monde de m'avoir écouté. Puis, on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde! Let us give you a